pour une vraie vidéo dans mon setup. Alors maintenant j'ai commencé à jouer. Ouais, t'es là allumé. Starfou là. Désolé pour cette petite connerie, mais en fait, je peux vous dire. Alors voici dans mon appartement, enfin là dans mon setup, mais mon setup il est dans mon appartement. Enfin, et puis on me dit ouais, c'est pas possible, t'as pas le droit d'habiter dans un appartement parce que t'as que 13 ans. Mais en fait, c'est tout à fait possible parce que moi en fait j'habite dans un appartement, mais un appartement avec un contrôle parental. Je sais pas si vous avez compris le truc, mais en fait, j'habite dans l'appartement qui est juste au-dessus de la maison de mes parents. Ça veut dire genre si je gueule comme un gros con, mes parents ils m'entendent. Ils m'entendent jusqu'ici. En fait, en vrai, j'habite toujours près de mes parents, mais c'est quand même pas la même habitation, quoi. Enfin, si, c'est la même habitation, mais c'est pas le même appartement, c'est pas le même logement. Enfin, je crois que vous avez compris. Mais c'est le même bâtiment, c'est la. Enfin, on habite dans une villa avec deux appartements. Pourquoi ma chaise elle bouge encore? Bon, alors j'ai toujours pas trouvé de trucs, et il va falloir que je m'achète un boîtier pour pouvoir faire des gameplay Fortnite, parce que là je me filme tout le temps en train de jouer sur tablette et putain faudrait que je puisse trouver un truc pour la Switch, quoi. Alors je vais vous montrer un peu l'état de mon setup. Alors je vais ajouter ça pour faire genre beau. Je vous ai pas présenté la nouvelle peau. C'est fourchette de Toy Story 4. Donc ici, bon, il y a le sac de box. Bon, alors ici en fait, il n'y a pas encore la télé 4K. Et en fait, ici, en fait, c'est le séjour. Voilà. Je pense que vous êtes totalement au courant. Alors. Hier, j'avais posé mon clavier, il était le. Enfin, c'est pas mon clavier, c'était le clavier de mon frère. Regarde, il est muy caliente de la Casa de Papel. Ok, donc voilà. Oh, il y a tous mes jeux. Il y a tous mes vieux jouets. Regarde, il y a un Woody ici. Il y a un Woody. Et puis, il y a son petit chapeau. Bon, il est un peu. Il a un peu merdifié, mais voilà, je vais laisser mes coussins ici. Parce qu'en fait, je voulais me coucher dans ce truc-là, mais il n'y a pas assez de place, du coup, j'ai dû sortir. Ouais, c'est quoi cette merde? Nique ta mère. Mais en fait, vraiment, c'est quoi? Et vous trouvez pas qu'ici, on a... Si, en fait, c'est la cuisine. Et putain, mon setup, il est juste dans une cuisine, quoi. Ah bah ici, il y a plein de câbles, on peut pas passer. Ici, il y a un câble, on peut pas passer non plus. Mais comment on atteint par la fenêtre? Bah tout simplement, il y a la technique, soit on va au-dessus, ou soit on va en-dessous. C'est ce qui marche le mieux. Alors, bon, ici, c'est... Bon, ici c'est par la fenêtre. Allez, on va faire comme ça. Donc, on va l'ouvrir pour aérer un petit peu. J'avoue, cette vidéo elle n'avait aucun sens.
Mais voilà, arrêtez de critiquer, putain. Bon, non, voilà, elle avait quand même du sens, hein. C'est chiant de passer tout le temps à travers un câble. Et déjà, la luminosité, je ne m'en sers même pas. Alors, du coup, je vais la débrancher. Et alors, du coup, là, il y a mon casque radio Bambi qui est en train de charger parce que ce soir j'ai lancé un nouveau truc, ça s'appelle le Ashler Game Show. C'est une parodie du Crouton Game Show, mais. Voilà. Et alors ça, il va vraiment me servir. Et en plus, ça, j'utilise pour Radio Bambi, en fait. Je fais mes lives avec. Comment est-ce qu'on peut faire des lives avec des bêtes écouteurs? En fait, c'est des écouteurs professionnels, mon gars. Genre, tu peux pas t'imaginer. Genre, c'est un truc que j'ai reçu. Genre, il y a que une personne sur 7 milliards qui... Ça veut dire que je suis le seul sur Terre. Exactement. Bon, allez, on s'en va, j'ai dit assez n'importe quoi, voilà.